Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Malheureusement, c'est bien un policier que vous venez d'entendre quand une équipe des braves M, pas très braves finalement ces flics, dérape au cours d'une interpellation. Je peux te dire qu'on en a cassé des coudes et des gueules. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous faire écouter le reste de l'enregistrement et ça vaut des points. Toute l'Europe est choquée de ce qui se passe en France, hein, ces répressions sont inadmissibles. Retraite, le Conseil de l'Europe s'alarme d'un usage excessif de la force en France. Alors que les images de répression policière contre les manifestants se répètent, Sébastien Rocher, chercheur au CNRS, pointe l'usage de la violence non proportionnée et non nécessaire. L'usage des NAS avec gaz qui est complètement illégal et le détournement de l'usage des gardes à vue. Il note cependant quelques progrès par rapport à la doctrine du préfet l'allemand. Traduction, c'est toujours la merde, mais les manifestants perdent en moyenne seulement 2 dents contre 5 avec le préfet l'allemand. Je vous laisse écouter un autre extrait de l'enregistrement de policiers de la brave M, hein, donc finalement pas très brave. Vous allez voir, c'est édifiant, de vrais voyous. Pas étonnant ensuite qu'il y ait énormément de débordements, ces gens-là ne respectent rien. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Prends exemple sur tes potes. Tu la fermes, t'en veux une. Je ferme pas. Je ferme pas, tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Et surtout, hésite pas de dire ça là-bas. Dire ça où? Là-bas. Là-bas où? Là-bas. Là-bas où? Vous allez nous ramener où? Et le commissariat, moi j'y vais pas, hein. Y'a que toi qui parlera. Voilà, c'est pour ça que tu fais ça. Hein? C'est pour ça que tu fais ça. Bah tu sais, je peux venir dormir avec toi si tu veux. Bah on y va. On y va? Ouais. Ah ouais? Oui. Ok, c'est le premier qui bat en cul de l'autre. T'apprends à respecter en fait. Je crois que t'as pas bien compris. T'as pas été éduqué. Parce que par contre, hein, quand je t'ai attrapé, hein, t'as commencé à trembler, je te le dis. C'est moi qui t'ai mis la balayette en première. Hein. Ah. Hey, je peux te dire que si tu veux revenir dans la rue, travaille ton cardio, mon grand. T'as traversé la rue, t'étais oxy. Ouais, moi je suis chaud. Hein. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Hein. Vraiment. Ah. Bah, tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur, gros. T'avais plus de bite d'heure quand on est arrivé. Regarde, tes copains là, ils respectent. Ils n'ouvrent pas plus bêtement pour rien. Je pense que madame, elle s'est arrêtée, y'a pas de problème. Je m'en fous. Là, t'inquiète, ta petite tête, on l'a déjà en photo, t'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Et je peux te dire que nous les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Mais... T'inquiète pas. Vas-y, rigole, non mais t'inquiète. On a 30 km là, en fait. Nous, on tape des black blocks à longueur de journée, mon gars. Et je peux te dire qu'ils ont des couilles quand ils viennent. Bon, après, ils repartent chialer chez leur grand-mère, mais c'est ça. Ils ramassent leurs dents, quoi. Ils ramassent leurs dents aussi. Toi, t'as de la chance. Quand j'ai vu ta gueule, tu m'as fait à moitié pitcher. Limite, j'aurais te donné un petit peu à boire, mais j'ai dit, vas-y. Toi, tu sais pas, en plus, t'es sur Paname, tu fais trop de chaud, tu traînes. On va te choper, tu vas rien comprendre. Ou ben, même si tu veux, je vais te choper. Hein. J'enlève ça, pas de soucis. J'enlève même ça parce qu'après tu vas encore dire que j'avais des coups de gère et que je t'ai mis une manchette. Ça crame des phalanges en garde de soirée, ça bloque son lycée avec une barrière là, ça fait des doigts à 100 mètres et après ça assume. Ça c'est pas éduqué. Les parents ils ont raté un gros coup. C'est comme tous les gars interpellés, je suis assis, bah vous pouvez plus rien faire. Ok les gars, on commence à casquer parce qu'il y a encore du monde sur le château d'eau. D'accord. T'as de la chance, on va se manger sans d'autres personnes. Si t'as l'occasion de regarder la télé, regarde bien. Prochaine fois, tu sauras ce qui t'attend quand tu reviendras. Il est où, là? Il est là, oui. Regarde, mais demain matin, il va sortir avec une OQTF. Ça fait rigoler, en plus. C'est un truc de ouf. T'as déjà pris une vraie borlée ou pas? Non. Je te garantis, quand t'as... Un jour, ça va arriver. Quand t'as vraiment... Vraiment, regarde tous tes potes, il n'y en a pas un qui branche. Hein. Parce qu'il n'y a que toi qui fais le guignol.